السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أقسام سنة ثانية ثانوي إعدادي. اليوم إن شاء الله هنخص هذه الحصة لتصحيح تمارين السابقة. فلنبدأ على بركة الله. أولا نبدأ بعرض التمارين المقدمة. سنعرض تمارين المقترحات ثم بعد ذلك ننجزها تمرينا تمرينا. Voilà l'exercice 1. Simplifier utilisant la relation de Charles. Exercice 2. AB est un segment et I son milieu. Montrer que vecteur EA plus vecteur EB est égal au vecteur nul. Et voilà. Troisième question. ABC est un triangle. Et voilà les deux questions. 1 et 2. Construire E et F tel que vecteur BE est égal à vecteur BC plus vecteur BA et vecteur CF est égal à vecteur CA plus vecteur CB. 2. Démontrer que le vecteur AE plus vecteur AF est égal au vecteur nul. Exercice 4. ABCD, 4 points du plan. Montrer que vecteur AC plus vecteur BD est égal au vecteur AD plus vecteur BC. Et vecteur AB plus vecteur DC est égal au vecteur AC plus vecteur DB. Oui, en passant maintenant à la correction des exercices comme vous voyez. Voilà. Commençons exercice par exercice. Voilà. Exercice 1. Simplifier en utilisant la relation de Charles. Vecteur AB plus vecteur BM. Vecteur TR plus vecteur MT. Vecteur AF moins vecteur AE. Vecteur AB plus vecteur CA plus vecteur BC. Vecteur AB plus vecteur CA plus vecteur BA. Il est qu'on enregistre le tembrin 1. Tabio ma'ana. Hadida. لم تكونوا أنجزتموه أوقفوا الفيديو وأنجزوا. جاهزون؟ أنهيتم؟ تابع معنا. هلا correction de l'exercice 1. Simplifie en utilisant la relation de Charles. Comme vous voyez ici, le vecteur AB plus vecteur BM est égal au vecteur AM. En utilisant directement la relation de Charles, puisque comme vous voyez l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième sont les mêmes, donc on peut utiliser la relation de Charles directement. Voilà vecteur A. Ici vecteur TR plus vecteur MT. Regardons l'extrémité du premier n'est pas l'origine du deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre les termes. Et là, il y a des choses qui sont en train de se faire. On va faire le hudud ou le haddaï. Voilà, c'est égal vecteur MT plus vecteur TR. Voilà, et maintenant on peut utiliser directement la relation de Charles. Vecteur MT plus vecteur TR est égal au vecteur MR. Voilà. Pour vecteur AF moins vecteur AE est égal. Voilà. Voilà le vecteur AF moins le vecteur AE, c'est l'opposé de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire moins AE? C'est l'opposé du vecteur AE. À combien égale l'opposé du vecteur AE? C'est le vecteur OA. هنا يا ناقص المتجه AE هي مقابل المتجه AE ومقابل المتجه AE هو المتجه EA. Donc on va remplacer moins AE par plus vecteur OA. Et après on change l'ordre. On change l'ordre. Voilà, est égal. On commence par le vecteur EA plus le vecteur AF et on utilise directement la relation de Charles est égal au vecteur EF. Pour la simplification de cette somme, regardons vecteur AB plus vecteur CA plus vecteur BC. Pour appliquer la relation de Charles, regardons bien si deux vecteurs, le premier et le dernier, le troisième, voilà, c'est l'extrémité de ce vecteur et l'origine de celui-ci sont les mêmes. Donc, on va écrire
vecteur AB plus vecteur BC. On change l'ordre, d'accord? Voilà, vecteur AB plus vecteur BC plus le vecteur CA. Et maintenant, on applique la relation de Charles. Vecteur AB plus vecteur BC est égal au vecteur AC plus vecteur CA. On applique une autre fois la relation de Charles. On obtient vecteur AA qui est égal au vecteur nul. On va faire la même chose pour la dernière somme. Voilà, vecteur AB plus vecteur CA plus vecteur BA est égal. Voilà, on va regrouper le premier vecteur avec le dernier. Voilà, vecteur AB plus vecteur BA plus en dernier rang le vecteur CA. Vecteur AB plus vecteur BA est égal à vecteur nul. La somme de deux vecteurs opposés, voilà, plus vecteur CA est égal au vecteur CA. En passant maintenant à l'exercice 2, voilà, exercice 2, AB est un segment et I son milieu. Montrer que le vecteur IA plus vecteur IB est égal au vecteur nul. إذن أيضا إذا كنتوا صوتوا التمرين الثاني تابعوا معنا، ما كنتوش ابحث فيه ثم تابع معنا. نعم جاهز، أنجزت، تابع معنا. Correction de l'exercice 2. Segment AB est un segment IE son milieu. Voilà la figure. Le segment AB son milieu I. Voilà, montrer que le vecteur IA plus vecteur IB est égal au vecteur nul. On sait que I est le milieu de segment AB. C'est que I est le milieu de segment AB. Alors, vecteur IB, voilà, vecteur IB est égal au vecteur AI. D'accord? D'après une propriété que nous avons déjà vue. Maintenant, passons à la somme vecteur IA plus vecteur IB. Voilà, donc on va calculer vecteur IA plus vecteur IB. Voilà, est égal, le vecteur IA reste comme il est. Et on va remplacer le vecteur IB avec un autre vecteur. Regardons la figure. On va remplacer vecteur IB. Voilà, avec le vecteur i. Nous avons déjà montré que vecteur ib est égal au vecteur i. Donc, remplaçons d'abord vecteur ib par le vecteur i. On obtient vecteur ia plus vecteur ib est égal à vecteur ia plus le vecteur i. Et en signe de la relation de Charles, on obtient est égal à vecteur ii. Et le vecteur II est égal au vecteur nul. D'où vecteur IA plus vecteur IB est égal au vecteur nul. طبعا هذه طريقة وكاين طرق كثيرة ونقترح عليكم هذه التي هي أسهلها. ويمكن ملاحظة أن الفيكتور IA et الفيكتور IB sont opposés. Pourquoi? Car ils ont la même direction. Oui, la même norme et le sens opposé. Et alors, leur somme est égale au vecteur nul. Il y a ici une question supplémentaire. Montrer que le vecteur AB est égal à 2 vecteur AI et vecteur BA est égal à moins 2 vecteur AI. N'aim, fakir au fissoir. Après la vidéo, tu m'as ibhat fi. انجزت تابع معنا on veut montrer que le vecteur AB est égal de vecteur AI. On a vecteur AB est égal vecteur AI plus vecteur IB d'après la relation de Charles.
Oui. On remplace Victor IB par le Victor AI. Voilà. Le Victor AI reste comme il est, plus le Victor IB est égal au Victor AI. Victor AI plus Victor AI, on écrit qui est égal 2 Victor AI. Victor AI plus Victor AI est égal 2 Victor AI. Donc, Victor AB est égal 2 Victor AI. Regardons la figure. Voilà. Victor AB est égal Victor AI plus Victor AI, car le Victor IB est égal au Victor AI. Donc le Victor AB est égal 2 Victor AI. Oui. Revenons à la question, à la deuxième question. On a Victor, on vous montrait que le Victor BA est égal à moins 2 Victor AI. On a Victor BA est égal moins Victor AB, c'est-à-dire le Victor BA est l'opposé de Victor AB. Donc est égal, voilà le moins, et on remplace Victor AB par 2AE, on obtient moins 2 Victor AE. Donc Victor BA est égal moins 2 Victor AE. Passons à la troisième partie. Voilà. Multiplication d'un vecteur par un nombre relatif. Exemple. Un vecteur AB est égal au vecteur AB. Deux vecteurs AB est égal vecteur AB plus vecteur AB. Trois vecteurs AB est égal vecteur AB plus vecteur AB plus vecteur AB. Et ainsi de suite, quatre vecteurs AB, cinq vecteurs AB. Moins 1 Victor AB, c'est l'opposé de Victor AB, c'est le Victor BA. Moins 2 Victor AB, c'est l'opposé de 2 Victor AB, c'est 2 Victor BA. Moins 3 Victor AB, c'est l'opposé du Victor 3 AB, c'est-à-dire c'est le Victor 3 Victor BA. En passant à la quatrième question. Voilà. Construire le point C tel que le vecteur AC est égal à 2 vecteurs AB. Allez, réfléchissez bien. إذن حاولوا تفكروا في أين موقع النقطة C. أوقفوا الفيديو وحاولوا البحث رسم النقطة C. أنهيتم؟ تابعوا معنا. Voilà, le vecteur AC est égal à 2 vecteur AB. Vecteur AC est égal à 2 vecteur AB. C'est-à-dire vecteur AC est égal à vecteur AB plus vecteur AB. Regardons la figure. Vecteur AC est égal à vecteur AB plus vecteur AB. Voilà, vecteur AB plus vecteur AB. Donc, on va construire un autre vecteur d'origine B qui est égal au vecteur AB. Donc voilà, voilà c'est ici. Voilà, car vecteur AC est égal vecteur AB plus vecteur BC, tel que vecteur BC est égal au vecteur AB. Comme ça, voilà la figure. Voilà, tel que B est le milieu de AC. Voilà. Donc, le vecteur AB est égal vecteur AB plus vecteur BC, mais le vecteur BC est égal au vecteur AB, car B est le milieu du segment AC. Oui, هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين الثاني. En passant à l'exercice 3. ABC est un triangle. Construire E et F tel que. En commençant d'abord par le triangle ABC. Voilà. ABC est un triangle. Construire E et F tel que vecteur BE est égal vecteur BC plus vecteur BA et vecteur CF est égal au vecteur CA plus le vecteur CF.
C'est bien. Voilà, on commence par la construction du triangle. Le voilà, ABC. Maintenant, comment on va construire le point E? جبتم على السؤال. إذا أوقف الفيديو، فكر، أرسم، ثم تابع معي. نعم، لنتابع. On a vecteur BE égale vecteur BC plus vecteur BA. Où est le vecteur BC? Le voilà. Où est le vecteur BA? Le voilà. Donc, somme, n'oubliez pas, somme de deux vecteurs ayant le même origine. Vecteur BC plus vecteur BA. À combien égale? Est égal au vecteur BE. Très bien. N'oubliez pas la méthode du parallélogramme. Donc, la somme de deux vecteurs ayant la même origine. Donc, on doit d'abord construire quoi? Le parallélogramme ABCE. Voilà. Voilà la position de E. Oui. Le voilà, E. Comment? Car vecteur BC plus vecteur BA est égal au vecteur BE. On complète la correction du parallélogramme. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vecteur BE est égal vecteur BC plus vecteur BA. La même chose pour le point F. Vecteur CF est égal au vecteur CA plus vecteur CB. Où est le vecteur CA? Voilà. Le vecteur CB? Le voilà. Donc, l'ensemble de deux vecteurs ayant le même origine C. Voilà, C. C'est vecteur CA plus vecteur CB. Donc, on construit d'abord le parallélogramme ACBF. Voilà la position de F. Voilà le point F. On complète la construction du parallélogramme. Donc, vecteur CA plus vecteur CB est égal au vecteur CF. Voilà. Le segment CF est un diamètre du parallélogramme. Et voilà la question 2. Voilà. La question 2 montre que le vecteur AE plus vecteur AF est égal au vecteur nul. Vecteur AE plus le vecteur AF, montrant que ça semble nul. Voilà. Comment? Il suffit d'essayer de calculer vecteur. On commence par vecteur AE plus AF et on fait quelque chose pour obtenir le vecteur nul. Comment? Voilà cette somme. On peut remplacer le vecteur AO par quel vecteur? Très bien, par le vecteur BC. Car on a déjà dit oralement que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, vecteur AO, on peut le remplacer par vecteur BC. La même chose pour le vecteur AF. On peut le remplacer par, très bien, par le vecteur CB. Car on a déjà montré oralement que le quadrilatère ACBF est un parallélogramme. Et après, après le remplacement, on trouve en toute facilité le vecteur nul. Et voilà la démonstration écrite. Voilà. On a vecteur BE est égal vecteur BC plus vecteur BA. Oui, vecteur BE est égal vecteur BA plus vecteur BC. Alors, ABCE est un parallélogramme. Alors, ABCE est un parallélogramme. Donc, vecteur AE est égal au vecteur BC. Voilà. Voilà. En vert. Et on a aussi vecteur CA. Voilà. CA plus vecteur CB. D'après le donné ici. Voilà. Voilà. Vecteur CA plus vecteur CB est égal au vecteur CF. Voilà. Et on a aussi vecteur CA plus vecteur CB est égal au vecteur CF. Alors, ACBF est un parallélogramme. ACBF est un parallélogramme. Donc, vecteur AF est égal au vecteur CB. Voilà. On verra aussi. Voilà. D'où, vecteur AE plus vecteur AF est égal.
On remplace vecteur AE par vecteur BC, le voilà. Et le vecteur AF par le vecteur CP, le voilà. Et d'après la relation de Charles, on trouve que vecteur BC plus vecteur CP est égal au vecteur BP est égal au vecteur nul. Et par suite, le vecteur AE plus le vecteur AF est égal au vecteur nul. Passons à l'exercice 4. Voilà. ABCD, 4 points du plan. Voilà la première question. Et la deuxième. Et voilà la correction. Correction de l'exercice 4. ABCD, 4 points du plan. Montrer que le vecteur AC plus le vecteur BD est égal au vecteur AD plus le vecteur BC. Donc, comment on va montrer cette égalité? On commence par l'une des deux membres. Oui. On commence par l'un des deux membres et on montre qu'il est égal à l'autre. Oui. On commence. On a vecteur AC plus vecteur BD. On commence par cette somme et on va montrer qui est égal à l'autre. D'accord? Donc, on veut que le vecteur AC plus vecteur BD est égal au vecteur AD plus le vecteur BC. C'est pour cela on va éclairer le vecteur AD. Voilà. Oui. On va faire apparaître le vecteur AD. C'est pour cela, on applique la relation de Charles sur le vecteur AC. On va remplacer le vecteur AC par le vecteur AD plus vecteur DC. Regarde, vecteur AD plus vecteur DC est égal au vecteur AC. On a remplacé le vecteur AC par le vecteur AD plus le vecteur DC. Pourquoi? Pour faire apparaître le vecteur AD. Tu peux faire apparaître le vecteur BC et tu trouveras le même résultat. Voilà. Oui. Et après, et voilà, cette somme, vecteur AD, plus, on va changer l'ordre, vecteur BD plus vecteur DC. On a commencé par le vecteur BD pour utiliser la relation de Charles. Une autre fois, voilà. Et voilà, vecteur AD et vecteur BD plus vecteur DC est égal au vecteur BC. فيكتور AD بليس فيكتور بيس. إذن هنا عندنا المتجهة بغينا نبينه أن المتجهة AC زائد المتجهة BD تتساوي المتجهة AD زائد المتجهة بيس. إذن ننطلق من أحد إما الطرف الأول أو الطرف الثاني. فضلنا ننطلق من الطرف الأول ومن بعد نحاول نوصله للطرف الثاني. ها هو الطرف الأول هو هذا المتجهة AC زائد المتجهة BD هي هذه. احنا الهدف ديالنا هو نوصلو المتجه ا دي زائد المتجه بي سي. اذا نفكر في اظهار اما المتجه ا دي ولا المتجه بي سي. اي طريقه درتي حنايا فكرنا نحاولوا نحاول اظهار المتجه ا دي. اش درنا؟ حاولنا دخلنا النقطه دي هنا، طبقنا علاقه شارل على المتجه ا سي، اي ادخلنا النقطه دي. علاش؟ لاننا بغينا اردنا ان نظهر المتجه ا دي. انتيا من بعد تسالي هذا التمرين حاول ديرها بطريقه اخرى، اظهر المتجه بي سي وستجد نفس النتيجه ان شاء الله. اذا هنايا اظهرنا المتجه ا دي، ادخلنا علاقه شارف المتجه ا سي، فوالا هي تساوي المتجه ا دي زائد المتجه دي سي. اذا احنا فكرنا فقط في المتجه ا دي والباقي سياتي وحده، سياتي وحده. ها هي متجه ا دي زائد المتجه دي سي زائد المتجه بي دي، تنتظر هاي زائد المتجه بي دي. من بعد اخرجنا المتجه ا دي اللي عندنا بها الغرض، ها هي في مكانها المتجه ا دي زائد مقات لنا المتجه دي سي وبي دي، قمنا بتجميعهما. بدانا بالمتجه بي دي حتى يتسنى لنا تطبيق
على قد شال هيا متجه BD زائد متجه DC. ولا المتجه AD في مكانها محتاج إلى هي هذه. وهنا على قد شال ببساطة مرة أخرى متجه BD زائد متجه DC هي المتجه BC. إذن كاين سؤال ثاني مونتري كو لو فيكتور AB بليس لو فيكتور DC تيغال او فيكتور AC بليس فيكتور DB. حاول أن تسلك نفس النهج لتثبت هذه العلاقة هذه المتساوية. فكر جيدا. أنهيت؟ تابع معنا. Voilà, le vecteur AB plus le vecteur DC. Oui, on va faire le départ de 700. Vecteur AB plus vecteur DC est égal. On veut le vecteur AC. Donc, on va faire apparaître le vecteur AC. Voilà, on applique la relation de Charles sur le vecteur AB qui est égal au vecteur AC plus vecteur CB plus le vecteur DC. Et voilà, le vecteur AC que l'on veut plus vecteur DC plus vecteur CB. Le vecteur AC plus vecteur DC plus vecteur CB est égal au vecteur DB en toute facilité. إذن في آخر هذه الحصة لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن تتبعكم وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.